Et dis donc, t'as vu dans le journal ce matin, là, qui s'y disait, là, il disait qu'un Allemand sur deux voterait pour Nicolas Sarkozy, dis donc. C'est con, hein. Ah bah si, c'est con pour Sarkozy. Bah, que les mecs, ils soient allemands. Hein. Enfin bon, ils ont pas choisi. Hein. Tiens, dis donc, parlant de sondage, Cathy, là, j'ai la courbe un peu basse, là, tu fais péter. Et j'étais en train de me dire, si moi, j'étais allemand, eh ben moi aussi, je voterais Nicolas Sarkozy. Hein. Mais bon, je suis pas allemand, moi. Et dis donc, t'as vu qu'il s'y disait dans la presse aussi? Il disait que dans le débat télévisé, c'est Hollande qui a gagné au point, il paraît. Oh merde, dis donc, j'ai loupé ça. Oh ben, il a dû frapper juste quand je suis allé aux chiottes. Ben non, parce que j'ai bu pas mal de bibines. Et ça lui a fait une marque, hein, Sarkozy, non? Il a pris où? Tiens, je lisais ce matin dans un journal, là, il disait que Copé, Juppé et Fillon, ils préparent l'après-6 mai en ce moment, il paraît. Oh bah attends, ça doit être du taf, hein. Il faut les feuillets jaunes pour les acédiques et tout ça. T'as encore une boîte qui risque de licencier, si c'est pas malheureux, ça. Oh. Et par contre, t'as vu le Bayrou, là? Il a dit officiellement qu'il votera pour Hollande, il a dit. Non, parce que les journalistes, ils disaient ce matin dans la presse que Bayrou n'avait que des solutions compliquées dans ce scénario. Sarkozy ou Hollande? Alors, c'est sûr que c'est compliqué, faut choisir. Et puis choisir, ben, c'est compliqué. Hein, tiens, par exemple, qu'est-ce que je fais, moi? Je reprends un rouge ou un blanc? Tiens, Cathy, tu me mettras un petit rosé, t'es gentil. Mm-hmm.